Regardez-la. Regardez-la un moment, rien que pour faire connaissance. Une actrice, ancienne ou débutante, c'est d'abord une silhouette et un visage. La voix ne vient qu'après, lorsqu'on a appris par cœur le paysage du corps et celui du geste. Marie-France Pisier, c'est son nom, est une petite personne gracieuse et volontaire. Dans son regard, il y a cet éclair qui n'appartient qu'à ceux dont le premier but dans la vie est de ne pas se laisser dominer par qui ne le mérite pas. Sa voix aussi a des accents qui ne trompent pas, mais cela, ce sera pour tout à l'heure. Marie-France Pisier, vous débutez, mais vous ne débutez pas exactement comme les autres. C'est-à-dire que on parle de vous plus que d'autres jeunes actrices qui ont pourtant travaillé davantage que vous n'avez fait. Vous avez des couvertures dans des journaux importants, et pourtant vous n'avez fait que deux films encore, dont l'un, Les jeunes filles de bonne famille, n'est même pas encore sorti. À quoi est-ce que vous attribuez cette espèce de réussite avant la lettre ? Moi, je pense que c'est vraiment à cause de la chance exceptionnelle que j'ai eue de tourner le premier film avec Truffaut et de tourner un rôle important là-dedans. Oui, ça évidemment c'est une chose... Une chose très importante. Oui. Vous habitiez à Nice à ce moment-là, lorsque vous avez rencontré Truffaut. Oui, j'habitais à Nice depuis déjà 3-4 ans et j'étais en première année de droit. Oui. Vous veniez d'où ? Je venais de Nouvelle-Calédonie, parce que comme mon père est administrateur, enfin, je suis née en Indochine, puis j'étais en Nouvelle-Calédonie, je connais un peu tout ça. Oui. Alors je vivais là depuis 3 ans et je connaissais un journaliste qui avait fait pas mal de photos de moi et qui avait lu une annonce dans les journaux pour Truffaut, qui demandait une fille, enfin une fille, je ne sais plus trop quoi exactement. Et alors il avait envoyé mes photos. Quelque chose de féminin quoi. Oui, alors il avait envoyé mes photos et Truffaut les avait sans doute trouvées à son goût parce qu'il est venu sur la côte présenter un film à ce moment-là, un film de Claude de Givray je crois. Mais pourquoi est-ce que vous acceptiez de faire des photos comme ça? C'est que vous avez déjà l'idée de faire du cinéma alors? Ou simplement quelqu'un vous arrêtait, vous demandait de faire des photos? Non, c'est parce que j'avais fait un petit film sur la Côte d'Azur qui n'est pas sorti d'ailleurs. Et alors Mario Brun, enfin le journaliste en question, était venu faire des photos sur le plateau, quoi. Oui. Il en avait donc. Et Truffaut est arrivé sur la côte, alors je me souviendrai toujours, c'est absolument marrant. Parce que je le connaissais pas du tout et je pensais pas que c'était pour le film, enfin je pensais pas qu'il me prendrait vraiment, je pensais que ça l'intéressait comme ça. Alors on a été déjeuner, il y avait 4-5 types et lui, et on a été déjeuner au Mont-Bourron, je sais plus quoi, c'était dans un truc infâme. Et on n'a pas dit un mot, ni lui, ni moi, j'étais horriblement embêtée, je savais pas quoi dire. On m'avait... Enfin, lui non plus, on dirait. Non, lui non plus. On était tous les deux très timides. Et puis alors, on s'est quittés comme ça. Moi, je suis rentrée chez moi, je continuais à travailler, je pensais qu'il n'y avait rien. Puis après, 10 jours plus tard, il m'a téléphoné, il est revenu sur la côte, on est devenus très amis et finalement ça a marché. Enfin, après les éliminatoires, c'était vraiment... Et quand il s'est mis à ouvrir la bouche autrement que pour manger, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a pas parlé à moi, presque pas. Enfin, très poli naturellement, mais c'est tout. Naturellement, c'est jamais merveilleux, quelqu'un qui a fait poli dans le cinéma. Vous avez plutôt de la chance en ce mot départ. Oui, une chance terrible, ça c'est vrai. Essayez de vous rappeler, qu'est-ce que c'était que le cinéma pour vous avant que vous n'en fassiez? Une simple distraction Non, il y avait quand même un truc qui était important, c'est que ça paraissait de l'extérieur un monde terriblement clos. Et alors ça, c'est terrible. Quand on fait pas partie de quelque chose, quand on en est exclu et involontairement, alors
Ça donne terriblement envie d'essayer. Vous alliez souvent au cinéma? Oui, oui, très souvent. Vous voyez n'importe quoi ou vous choisissiez déjà? Non, pas n'importe quoi quand même. Et vous référiez à quoi pour aller voir les films? Aux articles de Truffaut? Non, 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 je me référais en grande partie aux acteurs, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et le côté mise en scène, c'est apparu justement après Truffaut. C'est à ce moment-là que ça m'a intéressé, mais avant, j'avoue pas tellement. Quels acteurs est-ce que vous aimiez? Oh, j'aime beaucoup Simone Signoret, Jeanne Moreau, et dans les jeunes, Romy Schneider. J'adore Romy Schneider. Et puis aussi, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Oui, enfin, pas mal. Et le genre de film que vous aimiez particulièrement? Moi, j'ai beaucoup aimé les films d'Antonioni, les films de Godard, de Truffaut et de René aussi. Les westerns, non? Il y en a que j'aimais bien, oui. Et maintenant que vous avez fait du cinéma, est-ce que vos goûts ont évolué? C'est-à-dire qu'ils se sont quand même un petit peu cloisonnés. Il y a des films qui ne m'intéressent pas, même quand les acteurs sont bons, ce qui prouve que la mise en scène devient importante. Oui. Est-ce que le métier d'acteur vous paraissait un vrai métier ou bien une espèce de divertissement pour saltimbanque évolué? Je ne pense pas a priori que je l'ai trouvé important ou pas. Je pensais que pour certains, il pouvait devenir important et pour d'autres, c'était vraiment rien du tout. C'était ridicule. Quand vous voyez la gloire de certains acteurs, vous ne disiez pas que c'était exagéré, par exemple? Oh, ça dépend. Tout ça dépend des gens. Moi, je trouve qu'il y a des acteurs qui marchent à coup de publicité, mais il y en a d'autres, comme Simone Signoret. Je pense que c'est vraiment une valeur certaine. Et Brigitte Bardot, pour vous, est-ce que c'est un exemple? C'est rien du tout? C'est déjà démodé? Non, Brigitte Bardot, c'est formidable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Brigitte Bardot et je trouve que vraiment, si on ne l'avait pas en France, ce serait très très dommage. Vous voudriez faire sa carrière? Non, pas sa carrière. Il y en a une, ça suffit. Et quel genre de... En quoi votre carrière serait différente de la sienne? Je préférerais faire une carrière dans le genre de celle de Signoret ou de Jeanne Moreau. Oui. Quelle est la différence pour vous entre les deux sortes de carrières? Ça m'intéresserait plus, je ne sais pas comment dire. Brigitte Bardot est... À l'heure actuelle d'ailleurs ça change, mais pendant pas mal de temps elle a quand même fait des films simplement parce qu'elle était très belle. Je pense que maintenant elle devient une comédienne extraordinaire, mais... Je préférerais commencer par ce qu'elle fait maintenant plutôt que ce qu'elle faisait au début, quoi. Je crois que je vais vous délivrer là parce que ça me paraît un peu délicat. Bon, est-ce que dans le fond, toute cette publicité qu'on fait autour de vous ne vient pas du fait que votre situation est très singulière? Il y a quelqu'un qui a dit de vous que vous faisiez du cinéma en somme pendant les vacances parce que vous menez deux vies de front. D'une part, vous continuez vos études, vous faites du droit, vous nous l'avez dit, vous êtes en deuxième année. Et de l'autre côté, vous faites du cinéma. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire les deux à la fois? Bon, moi, je l'espère fortement. J'espère que ça va continuer comme ça. On me dit toujours, si tu avais un examen et un film en même temps, qu'est-ce que tu choisirais? Ben, je pense que ça dépend des possibilités que j'aurais de me représenter à un examen. Par exemple, il y a un deuxième examen en octobre. Donc, si j'avais un film en juin, et s'il était intéressant, évidemment, ben, je pourrais me représenter en octobre et inversement. Enfin, c'est... Ouais. De toute façon, le cinéma, ça vaut pas une autre sorte d'examen, non? Un petit peu aussi, oui. Marie-France Pizier, le cinéma ne vous fait pas peur? S'il me fait peur, mais j'ai l'impression quand même que je risque de m'en sortir. Parce que d'habitude, tous les amis que j'ai qui font du cinéma, ce qui colle pas pour eux, c'est qu'ils se rendent plus compte qu'en fait, c'est pas la seule chose importante. Enfin, qu'il y a des tas de trucs qui sont importants. C'est pour ça que je suis drôlement contente d'ailleurs de faire mon droit. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, je me dis toujours, bon, ben, c'est pas le truc le plus important. Enfin, il y a autre chose. Tandis que, comme ils y sont vraiment enfoncés là-dedans, ça prend une importance considérable et ils sont terriblement malheureux souvent. Quand vous entendez justement tous ces gens qui, et très souvent dans cette émission elle-même, nous racontent qu'ils ont raté leur vie à cause du cinéma, est-ce que vous pensez que vous n'auriez pas raté leur place, même indépendamment des études que vous faites, ou bien qu'ils exagèrent? Vous croyez qu'on peut rater sa vie à cause d'une carrière de cinéma? Je pense qu'on peut rater sa vie, mais c'est toujours la même chose. Il faut savoir, à mon avis, le contrebalancer par autre chose. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Le cinéma, c'est dangereux pour vous? Mais oui, c'est dangereux, bien sûr, mais enfin, ça dépend quand même des gens qui s'y lancent. Enfin, il faut voir où on va, il faut pas se lancer comme ça à la noyade. Vous avez déjà eu l'occasion de sentir le danger du cinéma, dans vos rapports avec des gens, avec des films? Oui, oui, terriblement. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est... Évidemment, le cinéma, on est jugé par le public, donc ça prend une importance considérable. Et tous les types qui lisent des articles, enfin qui voient une phrase méchante, enfin, ça les bousille pendant des jours, ils ont un cafard terrible, et ça c'est affreux. Enfin, on devient très vite miné par ça, je crois. Vous seriez sensible aux critiques? Mais bien sûr, je suis sensible, mais enfin j'essaie quand même de garder la relativité des choses, quoi. Dans le fond, vous ne serez pas dévoré?
Non. Monsieur, quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose? On vous a dit souvent le mot. Vous avez fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose, non? Et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, j'avoue que le mot me plaît beaucoup plus que la chose. J'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot. Mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mon gré, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne peut plus la chose. Et si peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter un mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que pour le temps où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot. Vous méritez si bien la chose que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prête à la chose. J'avais fait un film qui s'appelait La mort d'un tueur, puis après Les yeux cernés avec Michel Morgan et lui. Et Le vampire, c'était effectivement notre troisième collaboration. Et c'est d'ailleurs de loin, à mon avis, la meilleure. je pense que c'est parmi les films qu'il a fait, c'est un des films qu'il aime le mieux, Robert, et il a raison. Je pense qu'il y a vraiment des choses dans le film qui sont réussies. Et en particulier, sa prestation à lui, je pense que c'est un des trucs les mieux qu'il ait fait, enfin les plus étranges, parce que c'était la première fois que j'avais un rôle de composition. J'étais en guêpière, j'avais des bas, j'avais un chapeau à la Marlène sur la tête. Enfin, c'était complètement, pour moi, c'était complètement insensé. Mais j'ai appris évidemment pas mal de choses. Je chantais aussi, je crois. Enfin, c'était curieux. Oui. Je crois qu'il est réputé pour être assez directif. Mais il s'est rendu compte assez vite que ça collait pas bien avec moi, donc il l'était plus ou moins, plutôt moins avec moi qu'avec d'autres. Mais ce que je voulais dire sur lui, sur sa prestation à lui, c'est que c'est sûrement un des films les plus intéressants pour lui comme acteur, parce qu'il joue complètement de sa stature, de sa corpulence, du fait qu'il est un peu effrayant comme ça, et de quelque chose de très enfantin, de très bizarre. Je me souviens en particulier d'une scène qui dure pas très longtemps dans une église, où il vient comme ça, il est agenouillé, et tout d'un coup il s'adresse à Dieu, et il a une voix complètement presque de jeune fille qui ferait du charme à quelqu'un. Enfin, c'est un moment en tout cas de cinéma qui m'a beaucoup marqué.
mai 1970. Marie-France, quelle fille étrange et complexe vous êtes. On vous a vu sous des aspects très différents, et pourtant on a négligé ce qui est à mon avis l'aspect essentiel de Marie-France Cuisier, c'est le fait que la jeune et ravissante comédienne que vous êtes, soyez en même temps une étudiante pleine de diplômes, licenciée en droit public, diplômée d'études supérieures de Sciences Po. Pourquoi tous ces examens? Pourquoi tous ces diplômes pour aborder une carrière où, à ma connaissance, les diplômes ne sont pas indispensables? Ben, figurez-vous que je me pose à peu près la même question que vous. Je crois que c'est, je sais pas, c'est une espèce de mauvaise habitude familiale. Comme ah, ça. C'est on ça. C'est bien ce que je pense. Il faut chercher l'origine dans la famille. Oui, on envoie les filles ou les garçons à la faculté parce que ça se fait. Comme ça, on fait le droit parce que c'est bien vu de faire le droit. C'est ça. Puis pour les filles aussi, il y a un côté, à la bord d'une carrière artistique, il faut justement avoir un bagage intellectuel qui fasse contrepoids. Oui. La carrière artistique a toujours mauvaise réputation. Disons un peu partout dans quelques milieux que l'on fréquente. Oui, oui, ça, tout à fait. En particulier, d'ailleurs, à l'université. Moi, je me souviens qu'en début de licence, comme je tournais, j'avais demandé de faire des travaux pratiques par correspondance ou quelque chose comme ça. Et j'avais reçu une lettre que j'ai conservée dans mes archives parce que je la trouve vraiment symptomatique d'un état d'esprit où on me disait que ce n'était pas un métier assez honorable pour avoir une dispense. Quoi. C'était marrant. Ce qui est formidable dans votre carrière, c'est que vous avez eu un garçon comme Truffaut, c'est quand même capital pour le premier film. Et puis ensuite, vous avez beaucoup travaillé avec Hossein. Vous avez travaillé en général avec des gens de qualité. Oui. Oui. C'est une chance, ça, non? Oui, oui, c'est une chance. Est-ce que vous y avez été pour quelque chose ou est-ce que ça a été là, le destin qui s'est manifesté sous le trait de gens de qualité? Des gens de qualité, enfin, je sais pas, moi, je crois pas. Rob Grillet, j'allais oublier Rob Grillet. C'est ça, oui, Rob Grillet aussi. Il y a qu'un truc qu'on peut dire, moi, je crois, sur l'état actuel. Enfin, pour beaucoup de comédiennes, quand on n'est pas des vedettes, on peut absolument pas choisir les gens avec qui on veut tourner, mais on peut simplement refuser certains trucs qui vous déplaisent. Puis quand ça arrive, des types comme Rob Grillet ou autre, enfin, c'est toujours agréable, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme livre dans votre chambre? En fait, c'est un foutoir énorme. Il y a énormément de romans, il y a des essais, il y a des scénarios, il y a des albums de photos, il y a des dictionnaires. Les palus, les qui vont l'être, les interrompus. Il y a de tout en vrac. Il y a aussi beaucoup d'anciens, pas DVD, mais enfin. On appelait ça les cassettes vidéo. Les cassettes vidéo. Je cherchais moi-même. Mais dites-moi, je le connais ce type. C'est Antoine Douanel. Je l'ai connu autrefois en jeunesse musicale. Il m'a abordé Sol Playel. Ça alors. Dans la chambre de Marie-France Pizier. Oui, enfin, une chambre commune, puisque je vis avec quelqu'un qui partage ma chambre et mon lit et mon cœur. Toutes les actrices n'acceptent pas que j'entre dans leur chambre. Ah ben, écoutez, bienvenue. Il faisait très très beau ce jour de mai 2008 à Paris. Marie-France Pizier ne tournait pas, elle lisait ici et là dans des festivals et elle m'avait accueilli durant un petit peu plus d'une heure dans son appartement de la rue Guilmer, dans le 6e arrondissement. Je vais prendre une petite cigarette. Je vous en prie. Toujours très belle, souriante, séduisante et séductrice aussi, et puis un petit peu piquante, elle pouvait garder une certaine distance, mais cela ne l'empêchait pas de rire et de parler très librement. Et pour rendre hommage au talent de la comédienne, à sa carrière entre Truffaut et Téchiné, voici Marie-France Pizier devant ses livres de chevet. C'est marrant que votre édition tourne autour des livres, parce que là, moi, je suis dans une période absolument délicieuse pour moi, parce que je ne tourne pas en ce moment, mais du coup, je vais lire, je vais faire des lectures dans plusieurs festivals, et j'avoue que c'est un bonheur, mais absolument extraordinaire. Lire dans une salle de théâtre avec des vrais spectateurs qui écoutent vraiment, enfin, c'est extraordinaire. J'ai été au Festival de Bordeaux où j'ai lu, ça c'était vraiment exquis, avec Hélène Filière, Bonjour Tristesse, à deux voix comme ça, et c'était bouleversant de redécouvrir ce texte comme ça. Et puis Sagan, que l'on commence enfin à rééditer. Mon Dieu, quel bonheur. Oui, oui. Alors, il y a eu sur Sagan la biographie qui est absolue. Le Lièvre, hein, c'est son nom, je ne sais plus son prénom. Marie-Dominique Le Lièvre. Marie-Dominique Le Lièvre. À toute allure. Sagan à toute allure. Oui, qui est absolument formidable. Mais il y a eu aussi, à mon avis, le roman d'Annick Gell, qui était quelque chose de tout à fait émouvant, où elle raconte son amour à elle et sa cohabitation avec Sagan pendant un moment. Vous vous souvenez de votre première lecture de Sagan, peut-être de votre découverte? C'était évidemment Bonjour Tristesse,
Je sais que j'en ai eu une très grande émotion, un très grand intérêt, une très grande curiosité, mais en même temps, elle n'était pas chic, c'était pas du tout, je ne sais pas comment vous expliquer, quand j'y pense aujourd'hui avec ma sœur, on rigole parce que on se rend compte qu'on est quand même porté par des vagues de je sais pas, où on veut se démarquer, ou ceci, cela. Alors évidemment, pour un certain nombre de gens, elle était trop trépidante, enfin trop anticonventionnelle, et nous, on avait plutôt l'impression que c'était un peu léger, alors que c'est l'écriture de Sagan est évidemment légère, fluide, comme ça, mais je veux dire, la profondeur de ce qu'elle raconte, et à retrouver aujourd'hui, c'est très très beau. Et moi, je suis très touchée de ça, de cette obligation à partir d'elle, comme ça, que j'ai eu de revenir vers des livres dont je me suis dit que, voilà, ce qui est formidable dans les livres, c'est ça, c'est qu'en plus, on peut les lire différemment selon l'âge qu'on a. Ça, je suis sûre de ça, qu'on les... On les découvre très 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 différemment. With melancholy, my friend is vague distress. I wake up every morning and say. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime dire? Qu'est-ce que c'est important pour moi? Vous lisez à quel rythme vous? Écoutez, je fais très peur aux gens qui cohabitent avec moi ici, parce que je peux vraiment lire un à deux livres par jour, de temps en temps, comme ça. Alors ils me disent, mais tu lis pas tous les mots. Je lis comme je lis, et de toute façon, le plaisir est là au rendez-vous. Je lis dans mon bain, je lis... Et alors comme je voyage pas mal en ce moment, que ce soit le train, l'avion, les trucs comme ça, ça c'est évidemment exquis. Puis j'adore offrir des livres, j'adore qu'on m'en offre, enfin c'est un vrai... commerce de l'amitié et de l'amour, ça c'est quelque chose d'important d'offrir un livre. J'avais commencé ça avec Truffaut, d'ailleurs on s'offrait beaucoup de bouquins, je me souviens. Vous vous souvenez d'un livre qu'il vous a offert, Truffaut? Oui, Saint-Genest, comédien et martyr de Jean-Paul Sartre, je me souviens, qui doit être là d'ailleurs dans ma bibliothèque. Avec une dédicace? Ah, attention, on ne dédicace pas un livre qu'on n'a pas écrit, donc il y avait peut-être un petit mot qui était joint, mais là-dessus, il m'avait beaucoup engueulé, parce que moi, en revanche, je passais mon temps à dédicacer des livres que j'avais pas écrits, que j'envoyais à Tire-Larigot. Il m'avait dit, non, là-dessus, il fallait être très strict. C'est un très beau souvenir, oui. Donc quand il ne tentait pas de vous séduire, il vous offrait des livres, ou alors il tentait de vous séduire en vous offrant des livres? Mais absolument, et la séduction, franchement, je ne sais pas ce que vous voulez dire, on n'allait pas au-delà d'une immense affection, mais qui passait par beaucoup de culturel, comme ça, beaucoup de mains tendues vers une adolescente qui voyait grandir avec satisfaction. Enfin, satisfaction, ça j'en sais rien, parce qu'on s'engueulait beaucoup, mais enfin, c'est pas le problème. Avec fierté? Oui, enfin, avec curiosité, disons, avec curiosité et précaution. Mais... Quel a été son rôle dans votre vie, finalement, Truffaut, à vous, Marie-France Pizier? Je dis souvent, et c'est vrai, et ça l'a fait beaucoup rire, qu'il était mon repère, quoi. Moi, je l'ai connu à 17 ans. En deux mots, peut-être? Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, oui, bien sûr. Mais on entend aussi le sens du mot en un seul mot, donc c'est ça qui est rigolo. Et ça lui plaisait, et ça l'effrayait un petit peu aussi que je dise ça, parce qu'il fallait pas quand même trop que j'en demande trop dans la paternité potentielle. Mais oui, là, donc c'était, non, c'est très très curieux, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément appris, et en particulier sur le cinéma. On allait au cinéma, il m'expliquait des tas de trucs sur les enchaînements de plans, les machins comme ça. Et en même temps, ce qu'il y avait de formidable avec lui, c'est qu'il était capable de s'éveiller avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui, des choses qui l'intéressaient pas vraiment, ou dont il n'était pas très très proche. Par exemple, je me souviens de l'altercation qu'on a eue sur le féminisme, et après, il m'en a été redevable, enfin des choses comme ça. C'est moi qui l'avais aussi entraîné à aller distribuer la cause du peuple avec Sartre et Beauvoir, parce que j'étais très militante à cette époque. Et lui, comme c'était la liberté de la presse, ben, il est venu, quoi. Enfin, je veux dire, on avait vraiment une belle rencontre affectueuse et amicale. Pour la liberté d'opinion en France, demandez la cause du peuple. Pour la régulièrement pour les opinions. Demandez la cause du peuple contre les saisies arbitraires. Demandez la cause du peuple. Demandez la cause du peuple. Régulièrement saisie les opinions. Demandez la cause du peuple.
On peut s'approcher de vos livres. Ah bah si vous voulez. Si vous voulez en saisir un, n'hésitez pas. Je sais pas, alors qu'est-ce que les plus près de votre lit, ceux que vous pouvez attraper alors, quand vous êtes allongé. Sur ma table de nuit, là, c'est deux livres que j'ai. Un de Harper Lee qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. J'adore le format poche comme ça. Et le bouquin vous séduit? Le bouquin me séduit beaucoup. Il me rappelle évidemment beaucoup le Catcher in the Rye. Là, le comment ça s'appelle? Attrape-cœur. L'attrape-cœur, que vous êtes gentil de m'aider. L'attrape-cœur, c'est un de mes bouquins de jeunesse. Enfin, ça fait vraiment partie, ça, des trucs qui m'ont vraiment marqué. Donc, ça que je ne connais pas et qui semble-t-il, ça a l'air d'être dit par beaucoup de gens, et c'est ce que je ressens déjà dès les premières pages, rappelle le style de Salinger. Donc, c'est tout bénéfice à venir. J'ai acheté un livre de William Boyd aussi, L'amour fait mal, qui est paré en point. Là, c'est dans les trucs... Et je suis très contente parce que j'aime beaucoup les nouvelles et que j'ai lu la première, L'amour fait mal, et hier soir avant de m'endormir, et que c'était superbe. Donc je suis contente. Je suis contente quand j'ai des livres pas loin, près de moi, et que ça va m'accompagner dans des tas de moments de la vie. Amusant parce qu'on sent un vrai plaisir presque physique quand vous parlez de bouquins. Oui, tout à fait. Mais là, j'en ai laissé pas mal dans ma maison du Sud, donc... qu'est-ce que j'ai encore là qui pourrait... Bon, alors Jane Austen, ça c'est la base, on va dire, c'est toutes les trucs que j'aime. Ya Solaire, c'est un vrai roman que j'avais zappé quand il est sorti, je suis bien contente d'y être revenue parce que c'est vraiment toujours un plaisir. Simone Veil, Une vie que j'espère vous avez lu parce que c'est magnifique, vraiment très 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 étonnant parce que elle raconte formidablement bien évidemment la sortie des camps et toutes ces choses-là avec la pudeur qu'on imagine et en même temps la précision de certains détails inattendus, mais elle raconte aussi tout son itinéraire dans un monde politique qui n'est pas le mien, qui est l'itinéraire de la droite, quoi. Et je trouve que, je ne pense toujours pas qu'il avait raison, je reste quelqu'un de gauche, mais je trouve qu'elle en parle très très bien et qu'on se rend très très bien compte quand même comment quelquefois les gens qui ont une idéologie de droite peuvent... faire avancer le schmilblick sur des trucs que la gauche ne peut pas se permettre, quoi. C'est vrai que quand même, indépendamment de la peine de mort que quand même là on doit à Mitterrand, il y a eu pour les femmes, enfin de la part de Giscard et donc d'elle, enfin quand même quelque chose qu'on ne peut pas ne pas saluer, quoi. Mais vous la connaissez bien? Oui, je la connais, j'ai cette chance de la connaître, elle, son mari, ses enfants, enfin bon, et c'est vraiment des gens que j'aime énormément, quoi. De quoi on parle quand on est Marie-France Pisier à Simone Veil? D'abord, on a fait des interviews ensemble, alors ça c'était bien, déjà on nous posait des questions, donc on était obligés. Mais sinon, on parle de nos proches, on se connaît quand même assez bien, donc on parlait de Simone de Beauvoir, la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était un colloque ou je sais plus quoi sur Simone de Beauvoir, des gens comme ça. Je pense pas qu'elle avait une passion pour elle d'ailleurs, mais bon, voilà. Ça c'est une belle photo. Avec Beauvoir en fond, c'était le jour où on a inauguré, ma sœur et moi, la plaque à Simone de Beauvoir dans la rue où elle a vécu. Bon, sinon, j'ai plein de petits bouquins là qui sont très sympas. Ça, je suis un peu militante de ces trucs-là. C'est le droit des femmes, des homosexuels, code noir. Enfin bon, les gens ne le connaissent pas forcément. Ça, c'est fait par... je sais qu'il y en a, je crois que ma sœur Evelyne Pisier en a... Je l'ai vu là. Le droit des femmes par Evelyne Pisier. Ouais, ouais. C'est publié chez Dalloz. Chez Dalloz, absolument. C'est une collection formidable. Et vous lisez ça pourquoi? Pour vous souvenir du droit des femmes? Ben, de temps en temps, il y a des trucs invraisemblables. Oui, par exemple, je le feuilletais il n'y a pas très très longtemps. Je me suis rendu compte que c'est seulement en 1965. Bon, pour vous, ça doit paraître très ancien, mais pour moi, pas tellement, parce que ma mère était... Dieu sait, encore là, jeune femme et tout, et c'est seulement à ce moment-là que les femmes ont eu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Je peux pas m'empêcher de rire quand je dis ça. Tellement ça me semble invraisemblable, quoi. Mais il n'empêche que bon, s'il n'y a pas tellement, tellement longtemps, et voilà, donc il fallait dire, s'il te plaît, j'ai le droit d'aller bosser, ça t'embête pas, je peux, t'as pas peur que je rencontre quelqu'un et tout, enfin bon, bref. C'est ridicule. De quel engagement vous êtes le plus fier? Féminisme. Ah oui, le féminisme. J'ai vraiment l'impression, de ce point de vue-là, d'avoir été relativement en avance, de n'avoir pas suivi la mode, et d'avoir très très vite été absolument en éveil sur tout ce qu'il pouvait y avoir d'abject dans le paternalisme caresseur, dans cette façon douce, heureuse,
de faire comprendre aux femmes que leur place était fixée ailleurs, que ça n'était pas à elles de le rechercher. D'où l'extraordinaire importance dans ma vie de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, l'un et l'autre mêlés d'ailleurs, puisque je crois qu'un des premiers bouquins que j'ai lus au milieu de toute les livres de la Bibliothèque Rose et des trucs comme ça, c'est « L'existentialisme est un humanisme ». Je me dis, mais je suis folle, j'avais 13-14 ans, et je lisais ce livre, mais je le savais quasiment par cœur. Quand mon fils a passé le bac, le rattrapage philo, il avait un texte à étudier, et il me l'a montré, et c'était « L'existentialisme est un humanisme ». Et j'étais sidérée, absolument sidérée, et j'étais incapable d'en parler avec lui, ce qui fait que je lui ai très très vite fait venir un copain, pour qu'il aborde ça un petit peu mieux. Moi, ça m'émouvait vraiment beaucoup, beaucoup ça. Et puis bon, effectivement, j'ai joué pas mal Simone de Beauvoir et Les Amours de Simone de Beauvoir avec Nelson Algren au théâtre. Donc je connais bien ce côté, l'autre versant du personnage qui me... Pas celui de la terrorisante bas bleue méchante qu'on peint comme ça, mais enfin cette femme quand même qui était d'une force, d'une sensualité énorme et qui a réussi à intégrer ça à une vie de militantisme aux côtés de Sartre, quoi. Quand vous étiez une jeune comédienne et que vous étiez très engagée politiquement par votre engagement dans le féminisme, par aussi votre amitié avec Beauvoir et Sartre, est-ce que vous avez fait peur aux hommes du métier du cinéma ? Mon amitié avec Beauvoir et Sartre, elle ne passait que par les livres. Hein. Je les ai vus une seule fois, c'était un jour de manifestation où justement on vendait La Cause du Peuple ensemble et qu'on a été mis au trou. Des photos, hein. Oui, il y a des photos. Oui. Est-ce que ça faisait peur aux gens? Mais ça, de toute façon, ça. Aux hommes. Ah, ça continue à faire peur aux hommes, mais. Et dans le milieu du cinéma? Je sais pas comment vous dire parce que. Non, en fait, j'ai pas vraiment l'impression. Je pense que les gens blablatent derrière mon dos davantage qu'en face en me disant ou en résistant à des éventuelles gentillesses de ma part. Non, je sais pas. Moi, je. Ça ne vous a pas nuit dans le métier quand vous l'avez commencé ce métier, cette étiquette de féministe, Marie-France Pizier? Comme souvent, ça a dû me jouer des tours, mais que ça m'a rapproché de certaines personnes peut-être aussi. Je sais pas, vous savez comment l'image de quelqu'un se construit. Je pense que ça se construit de façon kaléidoscopique et qu'en fait, il n'y a pas toujours un truc qui fait du mal. Le truc qui fait du mal, quelquefois, fait du bien. Grâce au ciel, je veux dire, la société est tellement diverse qu'il y a forcément des gens que ça rend curieux. Ça me fait penser d'ailleurs que je vais aussi lire des textes de Rob Grillet, La Jalousie, parce qu'il y a un hommage qui lui est consacré dans pas longtemps, et que j'avais donc joué dans un de ses films qui s'appelait Trans-Europe Express avec Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant, Marie-France Pizier, sont les héros du nouveau film d'Alain Rob Grillet, Trans-Europe Express. Tu m'avais pas dit que tu travaillais pour la police. Je pensais que je l'avais deviné depuis longtemps. Je t'assure, il y a vraiment un rendez-vous au bassin du Radou. C'est Monsieur Franck. Au bassin de Radou. À deux, il y a deux. Quoi? Radoum. Radoum. Rob Grillet était tout à fait au courant que j'avais la réputation d'être pas une intellectuelle, mais enfin de continuer des études, ce qui était mon cas à l'époque, de droit, de sciences, tout ça, et d'être aussi féministe. Mais par ailleurs, j'avais fait la couverture de Playboy. Dans quel état? En guépière, avec un fusil à la main, des bottes, des cheveux longs et un air absolument de guerrière, quoi. Mais quand même en guépière. Aujourd'hui, ça fait très habillé une guépière, vous savez, qui prend tout le corps, etc. C'est bien parce que vous faites le geste. Eh ben, lui, ça lui avait plu. L'idée de la contradiction entre les deux choses lui avait plu. Et je pense que de toute façon, je suis quelqu'un de très contrasté, disons. Et de gonflé. Et peut-être, oui, peut-être de gonflé. Et c'est vrai que je me rends compte que les prises de parole, quand ça concerne des choses qui me tiennent vraiment à cœur, comme toutes les formes de racisme, et en particulier celui aussi contre les femmes, car pour moi c'est du racisme, ça ne me laisse jamais indifférent. Donc je peux m'engueuler très très fort avec des mecs, mais... Je comprends que vous leur fassiez peur. Oh, mais vous exagérez, regardez-moi. Vous aviez des discussions passionnantes avec Rob Grillet? Oui, mais enfin lui, alors pour le coup, c'était vraiment quelqu'un qui était très 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 intéressé par
la relation charnelle, sexuelle, etc. Donc, et on pouvait avoir de temps en temps des discussions, mais il s'intéressait plus à mon moi physique qu'à autre chose. Voilà, c'était, un homme qui a cherché à vous séduire. C'était plus par des lettres ou des machins ou les rôles lui-même. Enfin bon, voilà. Mais je sais pas pourquoi vous me lancez là-dessus. Parce que vous répondez, c'est merveilleux. Là, je venais là parce que là, il y avait des trucs de films. On est dans un bureau, là. Là, on est dans mon bureau, ouais. On a parlé de Barthes. Oui, alors Barthes... Est-ce qu'on peut avoir un extrait de fragment du discours amoureux? Attendez, on va changer de pièce parce que... Il est là. Il est là? Oui. C'est le fragment du discours amoureux, ah bon. Bah, vous avez des meilleurs yeux. Pas vraiment. Moi, des lunettes sans branche, c'est d'un chic. C'est d'un chic, hein, ouais. Là, je m'en fous complètement. Vous avez ouvert un fragment d'un discours amoureux à, ouais, à la page. La dédicace. Alors, je me lance. Le cadeau amoureux se cherche, se choisit et s'achète dans la plus grande excitation. Excitation telle qu'elle semble être de l'ordre de la jouissance. Je suppute activement si cet objet fera plaisir, s'il ne décevra pas ou si, au contraire, paraissant trop important, il ne dénoncera pas lui-même le délire ou le leurre dans lequel je suis pris. Le cadeau amoureux est solennel. Entraîné par la métonymie dévorante qui règle la vie imaginaire, je me transporte tout entier en lui. Par cet objet, je te donne mon tout, je te touche avec mon phallus. C'est pour cela que je suis fou d'excitation, que je cours les boutiques, que je m'entête à trouver le bon fétiche, le fétiche brillant, réussi, qui s'adaptera parfaitement à ton désir. Alors vous voyez, moi qui parlais des livres que l'on s'offre, des cadeaux qu'on se fait, me voilà renseigné sur ce qui me guide dans ces cas-là. Après Rob Grillier, Barthes, cette interview d'une cohérence. Ah oui, n'est-ce pas, hein, vous avez remarqué, on est bons tous les deux là. On est bons. Je ne vais pas vous faire parler du petit Larousse 2005. Non, mais bon, j'aime bien les dictionnaires aussi. Oui, vous en avez beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup. Là, il y a des livres sur des actrices, vous voyez. Tiens, ça, par exemple, celui de Jean Tierney, Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma. C'est moi qui l'ai préfacé parce que j'étais absolument folle, raide d'amour pour cette femme qui est quand même d'une beauté à tomber à la renverse, non? Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à Signoret au tout début? Un petit peu sur cette photo-là, c'est vrai. Vous retenez pas mal d'extraits, de livres, énormément, de phrases. Énormément. Mais ça, je me suis beaucoup exercée jeune à ça, par plaisir. Et je fais beaucoup rigoler mes copains parce qu'il y a toujours un moment où, avec un petit peu d'alcool dans le nez, je précise du Mallarmé à des anniversaires, des machins comme ça. Ils disent « Ah, ça y est, c'est Mallarmé ». Vous voulez qu'on aille chercher des livres dans... Là-bas, dans l'autre pièce? Ouais. Alors ça, non, si, ça quand même, c'est là. C'est aussi un de mes grands, grands amours. C'est Capitale de la douleur de Paul Éluard. Alors ça, c'est magique, quoi. C'est magique. Ça peut accompagner dans n'importe quelle situation. On est tout seul, on est avec quelqu'un. On est bien. Vous et Truffaut. Ouais. Je peux me permettre de vous demander votre âge sur cette photo parce que... Eh ben, bizarrement, j'avais 17 ans, là. Ouais. C'est vraiment pitchounette, hein. Il faut dire que lui, il n'était pas vieux, il avait 33 ans, je crois. C'est la coiffure choucroute. Oui, la coiffure choucroute, et qui a d'ailleurs dans L'amour à 20 ans. Annie Ernaux a la même photo avec la même coiffure choucroute. C'est vrai, oui. D'elle-même, hein, j'en crois. Oui, c'est marrant. Eh oui, c'est joue ronde, choucroute, eyeliner, et là on voit pas la petite jupe plissée en général. Très jolie. Ouais, pour plaire à Truffaut, mais sinon c'était pas exactement mon genre. Ça, alors ça c'est génial ça. Ça c'est un tout petit bouquin, La dernière retouche d'Ernst Lubitsch, de Samson Raphaelson, et ça s'appelle Amitié, et c'est un tout petit texte qui a été écrit, c'est Serge Toubiana d'ailleurs qui me l'a offert. Alors vous nous lisez un extrait. Enfin, je vous lis juste la fin. J'ignorais que tu avais une telle affection pour moi, Sam, me dit Lubitsch. Et je répondis quelque chose comme, eh bien, je l'ignorais aussi, mais quand je t'ai vu mort, ça m'a donné... Je me souviens d'avoir hésité et que c'est lui qui a trouvé le mot juste. Un élan? Exactement, ai-je répondu. Et nous avons tous les deux souri. C'est beau, non? Un élan à l'idée qu'il est crevé. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre une petite cigarette. Je vous en prie. Et on s'arrête un petit peu, d'accord? On va continuer à discuter dans mon compartiment, d'accord? Allez, venez. C'est moi que l'aide. Non, je vous excuse pas. C'est trop facile de faire n'importe quoi et puis de s'excuser après. Vous n'avez pas changé, Antoine, hein? Vous non plus, vous n'avez pas changé, Colette. Je comprends maintenant la force qui m'a poussé à sauter dans ce train en marche pour venir vous retrouver.
Laissez-moi vous embrasser. Non, je ne vous laisserai pas m'embrasser. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il faut être deux pour ça. C'est marrant, hein? On a vraiment l'impression que votre histoire d'autrefois ne vous a rien appris. Mais alors, rien du tout. Antoine, je vous aimais bien. Je ne vous aimais pas. Je vous aimais bien. Et vous passiez votre temps à essayer de forcer mes sentiments. Ou alors à me circonscrire en faisant la conquête de mes parents. Sans compter cette façon incroyable que vous aviez de vous précipiter sur moi, comme la misère sur le monde à chaque fois que la lumière s'éteignait dans un cinéma. Non, vous n'avez pas changé, Antoine, vous êtes toujours aussi égoïste. Tenez, par exemple, vous avez vu que le contrôleur m'a donné un petit billet tout à l'heure. Vous n'avez pas eu la curiosité de me demander ce que c'était, hein? Discrétion élémentaire, Colette. Non, indifférence exemplaire, mon cher Antoine. Ça fait 2 heures que nous parlons. De qui? De vous? Ça aussi, c'est de la discrétion, j'imagine. Eh bien, même si ça vous intéresse pas, je vais vous le dire, moi, ce que je suis devenue. Ce petit billet, là, il vient du grand type, genre Lino Ventura, le voyageur qui était dans le couloir tout à l'heure. Il me propose 1 000 francs pour coucher avec lui, ici, cette nuit. Qu'est-ce que vous voulez, Antoine? Oui, les temps sont difficiles. Bien sûr, je suis licenciée en droit, mais je suis au chômage. Alors, comme beaucoup de femmes qui sont pas trop ma foutue, eh ben, je me défends. Oui, je me défends dans les wagons de nuit, c'est ma spécialité. Évidemment, je donne 10% au contrôleur. Enfin bref, vous avez compris, hein? Vous êtes en train de me faire perdre 1 000 balles. Alors? Bah, écoutez, Colette, je crois que j'ai plus rien à faire ici.